Nous sommes arrivés à BMP dans le cadre de la journée nationale de l'enfant méthodiste. Cette journée a vu l'installation officielle du bureau de l'organisation de l'école des enfants de l'école de dimanche. On était là depuis le vendredi par le culte d'ouverture officié par le révérend Denis Jérôme, le directeur sortant. Hier, c'était le samedi 2 septembre 2017, on a fait l'assemblée générale des enfants de l'école de dimanche, assemblée qui s'est passée en deux phases. La première phase, c'était les ateliers où on a pu voir les enfants réfléchir en termes de finances, en termes de l'administration, en termes des activités, en termes de réunions, pour voir comment ils peuvent constituer le document des règlements généraux au niveau des enfants de l'école dimanche. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. L'apothéose où on a pu faire le culte de clôture, le culte officiel de l'enfant, de la journée de l'enfant méthodiste, officié par le révérend Denis, votre serviteur, le révérend Goudji Armand, nouveau directeur de l'école du département, et le directeur adjoint, votre serviteur, le révérend Guignepu Dadier, avec les enfants qui ont fait la lecture, les enfants qui ont chanté, pressé, avec les enfants qui ont pu apporter le message, parce que le message a été délivré par Cis Eunice du district d'Abobo, qui a été lauréate au concours de prédication du Festival National. Nos impressions sont bonnes parce que pour nous c'est un baptême de feu aujourd'hui. On a vu le moniteur engagé, le bureau des moniteurs engagé aux côtés des enfants, au bureau des enfants, pour les aider, pour les soutenir dans leur charge, leur travail. Nous avons été impressionnés, un grand temple de BMP qui a pu recueillir tous les enfants venus aussi du district d'Abobo, des villages d'Abobo, avec une fanfare de BMP et les chorales venus de nos églises sœurs, des écoles dimanche sœurs. Bon, nous commençons aujourd'hui parce qu'officiellement nous avons fait la parole des charges aujourd'hui. Ce n'est pas une œuvre facile parce que c'est pour Dieu, mais parce que c'est pour Dieu aussi, c'est lui seul qui peut soutenir dans le travail. Nous comptons sur les moniteurs, nous comptons sur les enfants, nous comptons surtout sur le Seigneur dans la prière. Pour que lui-même nous oriente dans sa vision, lui qui appelle, il s'est formé, il s'est mis à la tâche pour que son œuvre puisse avancer. Que le Seigneur bénisse le corps de dimanche de Côte d'Ivoire, le Seigneur bénisse le bishop, nos autorités premières, et le Seigneur se souvient des enfants et des moniteurs. Que le corps de dimanche avance, progresse, parce que ce n'est que un remplacement, ce n'est que la continuité dans le service. Que nous soyons bénis tous. Bon dimanche à chacun d'entre nous. Amen.